À ce samedi, les dames et messieurs, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévision. Mon invité ce matin, Monsieur Moïse Hangui, un jeune patriote mozalendo depuis l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévision. Bonjour David, merci beaucoup. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. Très bon week-end chez vous. Comment allez-vous? Je me porte un peu bien malgré la situation toujours qui reste aussi alarmante, la situation sécuritaire, humanitaire y compris. Nous essayons peut-être de tenir tête haute et tout en espérant que ça pourra évoluer, ça pourra s'améliorer d'un moment à l'autre. Alors ici on parle de la trêve qui est violée à peu près 3 jours parce qu'aujourd'hui déjà on signale aussi les affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru à Binza, précisément dans la chefferie de Bwito. Et de l'autre côté, nous voyons l'armée congolaise qui a accusé le rebelle du M23 de violer la trêve. De son côté, ou bien de sa part, l'AFC de Corneille Nangaa a aussi accusé. Donc, on peut dire, ici, ils sont en train de se co-accuser entre eux. Quelle sera la finalité de ces choses? C'était prévisible d'assister à ce genre de situation. Nous avons été parmi ceux-là qui ont alerté le gouvernement par rapport à cette erreur, par rapport effectivement à cette trêve que nous avions approuvée à l'aveuglette, et les conséquences, nous commençons déjà à les vivre. On ne peut pas comprendre qu'il est dans une situation comme celle-ci où l'ennemi est en position de force, nous puissions céder à des instructions qui viennent des Américains, lesquels Américains sont en train de tirer profit dans cette crise qui endeuille l'est de notre pays. Monsieur les journalistes, moi j'ai été aussi clair quant à ce qui concerne cette décision depuis bien avant. Et le gouvernement, malheureusement, ne nous a pas entendus. Voilà où nous en sommes. Par rapport à cette intervention ou à la réaction de la coalition 23, RDF AFC qui essaie un peu d'attribuer cette violation au FRDC, bon, c'est devenu comme une récitation de chaque jour. Ils massacrent des populations, ils essaient un peu de s'en prendre aux positions des FRDC. De retour, ils essaient un peu de faire des raccourcis comme pour jeter de l'opprobre à l'armée. C'est un mensonge qui est juste entretenu par ces ennemis de la paix. Il faut ici clarifier et dire tout haut que c'était les rebelles du M23 qui ont attaqué les positions des FARDC dans les Masisi en groupement Kamuronza. C'est clair que ça, et vous l'avez sûrement remarqué, ils ont fait leur communiqué 3 jours après, alors que le gouvernement congolais a été aussi très souple en dénonçant ce qui a été observé dans les Masisi. Bien que je n'ai pas aussi été d'avis que l'armée continue à dénoncer. Je crois que le colonel Ndiki Kaiko, qui est le porte-parole de l'armée au niveau de la province du Nord Kivu, devrait aller au-delà des dénonciations, peut-être nous laisser cette tâche, nous qui sommes des acteurs de la société civile, et en tant qu'armée, ils doivent se battre. Malheureusement, nous avons aveuglément approuvé cette mesure qui est entrée plutôt de favoriser les cas adverses. Et l'armée acquise les rebelles, et les rebelles acquisent l'armée. Et challenge. Qu'est-ce que la population est censée comprendre à l'issue? Nous qui sommes ici au Nord Kivu, nous sommes conscients que les M23 ne pouvaient que faire ça. Ils ont tendance à essayer un peu de manipuler l'opinion nationale et internationale, comme pour dire que c'est plutôt l'armée congolaise qui endeuille sa population, c'est le gouvernement congolais qui est responsable de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est en fait un mensonge qu'ils essaient un peu toujours de brandir comme pour essayer un peu de tirer les drapes de leur côté. Mais je sais que nous savons tous que ce sont eux qui ont été à la base de ce qui s'est passé là-bas au niveau de Kanyabayonga, plutôt au niveau de Kamuronza, allez dire. C'était dans les territoires de Masisi, aujourd'hui c'est dans les territoires de Rutshuru, et certains Congolais n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que l'armée congolaise observe aussi ses silences face à ses agresseurs. Nous sommes distraits et nous risquons de vivre le pire avec cette alliée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent
L'armée continue aussi à respecter cette trêve. C'est une pire distraction. Kigali a approuvé cette mesure parce que pour lui, il faut qu'il y ait ces élections qui vont se dérouler effectivement. Les 15 se passent en toute quiétude. Des militaires qui étaient à Kanyabayonga, à Kirumba et Kassai, ils ont regagné les Rwandais pour participer au vote. Et après, ils vont encore revenir en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous profitons pendant cette trêve? Rien du tout. Je ne vois pas les humanitaires se déployer, se mettre à l'œuvre pour venir, tant soit peu, soulager nos compatriotes qui sont en train de traverser les calvaires dans plusieurs sites de déplacés. C'est pour autant dire que c'était une mesure, en tout cas, qui ne valait pas la peine d'être approuvée. Malheureusement, Kinshasa est parvenu aussi à être roulé dans la farine. Le président Tshisekedi a été encore roulé par Kigali et c'est regrettable parce que nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre, continuer à faire trop de bruit, mais quand il y a des mesures qui favorisent l'adversaire, nous cédons facilement à ça. J'imagine que si on évolue comme ça, Tshisekedi va encore accepter un dialogue direct avec Kagame et pourra approuver toutes les recommandations, tout l'agenda que les rebelles du M23 auront par l'entremise de M. Paul Kagame. C'est quand même anormal et on ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, je suis personnellement en désaccord total avec ce genre de démarches que le gouvernement essaie d'approuver. Des nouveaux combats, comme on en parle encore ici aujourd'hui ce matin, parce que ça préoccupe au moins plusieurs Congolais qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que de leur côté le FARDC arrive toujours à respecter la trêve. Des nouveaux affrontements entre la rébellion du M23 et les jeunes résistants Wazalendo, signalés ce samedi 13 juillet dans les villages de Binja, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. La trêve ne reste que sur le média. Une autre réalité s'observe sur le terrain. Aujourd'hui, on quitte un peu cela. Aujourd'hui, dès qu'elle était de passage, d'ailleurs, je rappelle, dès qu'elle était de passage à Goma, la première ministre, elle a fait savoir lors de ses points de presse qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il y a des avancées significatives. Aucune avancée. Désolé de vous le dire, je ne vous coupe pas, mais moi je ne partage pas cette opinion de la première ministre, encore qu'elle vit Mais à Kinshasa. Vous savez aussi, elle est la chef ceux qui du vivent à gouvernement, Kinshasa, monsieur c'est comme Mboy. s'ils Elle n'ont connaît la pas la réalité de même ces choses. compréhension et effectivement le même aperçu que nous qui sommes ici. Quand elle dit que non, la diplomatie, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui va exactement? Rien du tout. Je vais Elle est la chef du gouvernement. Je vous rappelle Mais ici qu'elle maîtrise effectivement, bien l'enjeu, elle la ne guerre maîtrise pas d'Algérie. l'enjeu de cette guerre que nous qui sommes ici. Et je vais vous surprendre et vous dire ici que ceux qui sont à Kinshasa, parfois, ils sont dupés. On leur donne de très fausses informations. Voilà ce qui justifie la détérioration de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est parce que, et pour eux, bon, nous sommes à 2000 km. C'est devenu un discours, c'est Non, devenu une forme de cela a moquerie été à notre signalé dans les égard. sens. Mais Ce n'est monsieur pas Boy, s'il vous plaît, seulement s'il vous plaît. Aligneté qui l'avait dit, même Si, le s'il vous directeur plaît, de cabinet du s'il vous plaît, président monsieur a Moïse, même répété les mêmes s'il vous propos plaît, et monsieur s'est Moïse, déplacé. s'il vous plaît, cela a été dit dans les contextes où les investisseurs devraient venir en RDC et par exemple, ils vont venir à Lualaba, ils ne devraient pas s'arrêter parce qu'à l'Est, il y a la guerre. Vous soutenez ce genre de. C'est le contexte qui Je a été suis désolé, décrit je vous dis que différemment de ce que c'était les gens disent des aujourd'hui. propos déplacés tenus par le patron de l'inspection générale des finances, malheureusement, encore un très proche du président, vient encore de répéter presque la même erreur. Je ne vais pas m'en prendre au chef de l'État, encore moins à ses proches, mais je pense qu'il faut qu'on essaie un peu d'être élégant et d'être quand même aussi, je vais dire, conscient quand on essaie un peu de tenir certaines déclarations. Nous sommes dans un même pays, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Mais l'attitude que nous observons avec ceux qui sont à Kinshasa, elle est tout autre. C'est comme si nous étions dans une république Y et que E était dans une autre république X. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne nous plaît pas et qui ne peut vraiment pas être encouragé. Dire que la guerre se passe à 2000 km, c'est comme pour insinuer que ceux qui meurent à l'Est,
C'est leur affaire, ça ne nous concerne pas. Je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de recadrer les choses et qu'on oriente très bien les sorties de certaines personnalités publiques. Donc, je suis très clair quant à ça. Alinguette avait tapé à côté la récente sortie aussi médiatique du directeur de cabinet du président a été aussi quelque peu Alors, on déplacée. continue toujours, on parle ici de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Monsieur Moïse, vous personnellement, vous êtes d'ailleurs un activiste des droits humains. Aujourd'hui, s'il faudrait estimer la réponse favorable, depuis 30 ans, il y a la guerre dans l'est du pays et plusieurs personnes n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que cette guerre ne prenne pas fin. Vous personnellement, quelles sont vos propositions aujourd'hui face à ce gouvernement congolais qui mettent tout en place pour mettre fin à cette guerre dans l'est du pays? Alors, il faut dire ici que la guerre, elle est gérée de manière aussi légère. Il y a une certaine légèreté à travers laquelle les autorités sont en train de gérer cette guerre. Et c'est peut-être ce qui justifie effectivement sa persistance. Il faut révéler ici et avouer que le président de la République, bien qu'animé par la bonne foi, il a tenté avec plusieurs mesures. Il est parvenu à faire recours à des forces armées étrangères, à l'occurrence de l'EAC, la SADC. Vous savez en même temps qu'il y a aussi les troupes de la MONUSCO, les casques bleus qui sont sur place. On est parvenu même à faire recours à des instructeurs. Quel est le résultat? Négatif, zéro. Je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'évaluer sérieusement toutes ces mesures et de réorienter effectivement la gestion de cette guerre. Vous savez aussi qu'il y a un problème aussi lié à la chaîne de commandement des opérations militaires ici au Nord Kivu. Cependant que certains généraux étaient sur place même à Kanyabayonga, Kirumba, Kassai et consorts, que toutes ces agglomérations sont tombées dans les mains de l'ennemi. Est-ce qu'on ne peut pas essayer un peu de revoir la chaîne de commandement et de faire en sorte qu'on puisse attribuer celle-ci à des militaires qui peuvent relever les défis? Un autre problème qui est aussi majeur, c'est par rapport à la prise en charge des jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Je parle des vrais Ouazalendo parce qu'il y en a de faux et qui pourront coûter cher à la République à long terme. Jusqu'à présent, les Ouazalendo survivent à travers de simples motivations. Conséquence, certains parmi eux essaient un peu d'ériger des barrières illégales, des barrières effectivement qui ne sont pas reconnues par l'autorité de l'État et qui se permettent de tracasser la pauvre population. Il faut qu'on essaie un peu d'encadrer, il faut qu'on essaie un peu aussi d'accélérer la formation de ces jeunes parce que certainement, c'est des compatriotes qui sont indignés par ce que nous sommes en train de vivre et qui se disent être prêts à défendre le pays, mais encore qu'il faut qu'on essaie un peu de les entretenir, de les former et de les orienter pour qu'ils ne puissent pas constituer une bombe à retardement. Une autre chose, sur le plan diplomatique, c'est qu'il faut qu'on essaie un peu de nous assumer. Je suis en train de me dire que si on évolue dans cette logique des tâtonnements, tantôt on nous appelle, je ne sais pas, quelque part, nous y allons sans pour autant avoir quelque chose de très clair ou notre position à nous, nous risquerons d'être victimes de toutes les décisions que la communauté internationale sera en train de nous imposer. Nous sommes tous conscients que les agresseurs sont bien identifiés, c'est les Rwanda, c'est l'Ouganda, l'ONU elle-même l'a reconnu à travers plusieurs rapports rendus publics par les experts. Ce que le gouvernement congolais doit faire, c'est parvenir effectivement à amener la communauté internationale à sanctionner sévèrement tous ces pays agresseurs. Il faut qu'on parvienne à sanctionner les autorités rwandaises qui continuent à appuyer la rébellion d'IM23. C'est bien clair et toutes les preuves sont là. Il faut qu'on mette fin à l'opération conjointe entre les FARDC et l'UPDF qui est menée au niveau du Grand Nord, Shujaa, que vous connaissez. Cette mutualisation des forces a lamentablement échoué dans cette partie de la province du Nord Kivu. En dépit de la présence des militaires ougandais, des compatriotes congolais continuent d'être massacrés par les ADF. Le rebelle d'IM23 sème terreur et désolation presque partout dans la province du Nord Kivu. Pourquoi continuer à maintenir ces militaires? Pourtant, ils ne nous servent à rien. Encore que des retours, nous leur donnons quelque chose. Ils ne sont pas là juste pour rien. Vous savez que c'est
des militaires qui viennent et en contrepartie la République démocratique du Congo donne quelque chose à leur pays. Ça, c'est plus qu'urgent. Il faut en tout cas que le gouvernement essaie un peu de se pencher sur toutes ces questions pour que nous puissions espérer au retour de la paix. À court terme, une autre chose qu'il faut dire, et ça concerne tout le Congolais, il faut que nous puissions continuer à nous mobiliser pour apporter de l'assistance à nos compatriotes déplacés de guerre. Les quelques organisations qui tentent de soulager nos compatriotes ne couvrent vraiment pas la demande. Elle est très forte. Les besoins humanitaires sont immenses et il faut Aujourd'hui, que chacun. la trêve Absolument. humanitaire, est-ce qu'aujourd'hui il y a des Elle ne assistances? nous sert à rien. Il n'y a pas des organisations humanitaires qui sont en train de se mobiliser Jusqu'à présentement. présent? On a cru que cette trêve allait permettre aux humanitaires d'avoir un couloir qui allait faciliter les ravitaillements des déplacés et consorts. Mais je vais en tout cas vous dire ici que nos déplacés de guerre ne sont pas assistés jusqu'à présent. Le gouvernement aussi, qui devait être le premier acteur à régler cette question, malheureusement, il ne le fait pas. C'est plutôt les organisations qui sont Non non gouvernemental. gouvernementales qui sont en train d'apporter un peu d'assistance, mais la demande, elle est forte. Nous avons réussi autour des 3 millions de déplacés aux environs de Goma, sans compter ceux qui sont à Bweremana, à Kanyabayonga et même au niveau effectivement de Minova. C'est qu'il faut qu'on essaie un peu de nous mobiliser tous. Et je sais qu'il y a des Congolais de bonne foi, il y a des philanthropes, il y a des Congolais qui sont aussi préoccupés par rapport à ce que nous traversons et qui peuvent mobiliser un petit rien pour apporter de l'assistance à nos compatriotes. Bien que ces gens n'ont pas besoin de demeurer dans les sites de déplacés. À long terme, ils ont besoin de rentrer dans leurs villages respectifs. Ils ont abandonné leurs champs, ils ont abandonné leur bétail, ils ont perdu leurs membres de famille et que de retour, il faut qu'ils rentrent chez eux. Alors, on va finir, mesdames et messieurs, on finit cette émission. On se rappelle aujourd'hui qu'il y a des militaires congolais, des compatriotes congolais, c'est FARDC aujourd'hui qui observe la trêve, qui n'est pas respectée par le Rwanda. Il y a aussi les Wazalendo qui combattent contre les rebelles du M23 qui n'arrivent toujours pas à respecter la trêve. Un message pour ce FARDC, mais également pour ce jeune résistant Wazalendo. Je me répète, pour moi, la trêve, c'est une pire distraction. C'était une grande erreur qui a été approuvée par le gouvernement de Kinshasa. Et il faut que le président de la République se ressaisisse pour qu'on mette fin à cette blague. Nos militaires doivent continuer à se battre. Nos Wazalendo doivent de même continuer à défendre leur terre. Sinon, nous risquons effectivement de nous réveiller et toute la province sera déjà partie. Même la ville de Goma est au point de tomber si nous restons en train de nous laisser manipuler par les comportements ou les caprices de l'ennemi. Nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis, la communauté internationale, l'Union européenne, parce que c'est des organisations qui sont en train plutôt de favoriser les cas adverses. Le temps que nous observons le cessez-le-feu, au Rwanda, ils vont organiser les élections en toute quiétude, mais pendant ce temps, des compatriotes congolais sont en train de payer le lourd prix de cette guerre. Il faut qu'on essaie un peu de mettre les choses au clair et de se rassurer que nous sommes aussi, je vais dire, en position de force, que de nous laisser malmener par des gens qui n'agirent qu'à nous faire souffrir. Un message également à cette population dans l'est du pays aujourd'hui meurtrie, qui semble perdre l'espoir face à cette agression rwandaise. Très chers compatriotes, ne perdons pas d'espoir, restons sereins, restons mobilisés, soutenons nos vaillants militaires FARDC. Nous n'avons que cette armée, c'est l'unique qui va devoir effectivement nous ramener la paix. Ces compatriotes Wazalendo engagés pour la défense de la patrie, déployés partout à travers la province, bien qu'ils ne sont pas, en tout cas, dans les meilleures conditions de travail, mais ils sont quand même en train de fournir un travail louable. N'eût été les efforts de ces compatriotes, Goma serait déjà sous le contrôle de la coalition M23 RDF-AFC, et c'est donc important qu'on continue à les soutenir. Il faut aussi décourager les faux Wazalendo parce qu'ils sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. Ils sont en train, en tout Merci cas, beaucoup. d'infiltrer notre système de défense. Il faut les dénicher et essayer un peu de les décourager. Mais les vrais Wazalendo, nous pouvons les soutenir. Nous pouvons continuer aussi à soutenir l'armée parce que c'est elle qui va devoir nous ramener la paix
et faire en sorte que ses ennemis de la République soient boutés hors d'état de nuire. Mesdames et messieurs, Balandi à Congo Live Télévision, fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité ce samedi. Merci Monsieur Moïse. On se retrouve ce lundi pour d'autres actualités. Merci David, merci à tout le monde. Inch'Allah, à très bientôt. Très bon week-end chez vous. 5e mois, 1976. Oui. Combo ya papa nayo. Bouya Kilumba Filemon. Bouya Kilumba Filemon. Bouya. Mbouya. Oui. Azana Bomoy. Akufa. Combo ya maman. Azali. Combo ya maman. Ngoi. Ngoi nani. Pamba. Ngoi Pamba. Oui. Azana Bomoy. Azali. Village d'origine. Lubinda. Wapi? Lubinda. Comme ma micro tina à mon côté, sinon tu es au coyo kayo bien. Ok. Village d'origine. Lubinda. Lubinda. Secteur. Kinga. 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 Territoire. Katula.